Ali la danse, son nom est sur toutes les lèvres. Avec son tableau environ de Southampton, Jules Dupré, peintre du XIXe siècle bien connu des habitants, fait beaucoup parler de lui. Au musée Louis-Sanlec, Anne Lorsol se bat pour acquérir cette œuvre exceptionnelle. Il ne s'agit pas d'un énième tableau de Jules Dupré, il s'agit du chef-d'œuvre du peintre. Et plus généralement, il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu de la peinture française au XIXe siècle. Pour mener à bien ce projet culturel, le musée lance un appel aux dons. Objectif, réunir les 100 000 euros manquants d'ici à mars 2011. Un pari ambitieux qui n'atteint pas l'optimisme et la ténacité de cette jeune directrice. Nous sommes extrêmement larges dans notre appel, puisque toutes les contributions, même les plus modestes, sont les bienvenues. Pour l'instant, il y a un engagement de la part des particuliers qui est tout à fait significatif et émouvant. Bien sûr, il nous manque encore des mécénats qui soient plus importants, financièrement plus importants, et qui nous permettent de trouver une issue heureuse à ce projet. Dans l'optique de conserver un patrimoine culturel local, cette requête s'adresse à tous les amoureux de la peinture. Permettre l'acquisition de ce tableau, permettre sa présentation permanente au public, pour que tout le monde en profite, c'est aussi un acte citoyen, c'est faire que ce tableau reste en France, qu'il intègre une collection publique et qu'il soit donc la propriété de tous. Et si l'appel aux dons ne fonctionne pas, le chef-d'œuvre prendra la direction des États-Unis.